Et bonjour à tous, aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez dans le titre, aujourd'hui on se trouve pour une survie en session publique sur GTA 5 Online, évidemment. On est 28 joueurs encore une fois, donc c'est plutôt sympathique. J'arrive jamais à être 30 en session, c'est vrai que je relance plein de fois, mais bon, c'est pas grave. 28 c'est plutôt bien, je me dis de toute façon, les gens arrivent vraiment, les PNJ ils me respectent pas, c'est un truc de ouf. En tout cas, déjà, petit pouce bleu, abonne-toi si tu l'as déjà fait, ça peut être plutôt sympathique. Et aujourd'hui les gars, c'est vrai, on va faire une petite survie grâce au Secure Serve. Mission de gros bonnet, et on va faire, je crois, ces chasseurs de tête. Et on va se cacher à un endroit sur la map que bah, Rockstar va nous mettre finalement. Et puis on va essayer de survivre finalement sans que les joueurs nous voient et nous tuent. Alors, je sais pas si le truc est apparu. Oh. Ah, mais c'est le même endroit que la dernière fois. Je crois que c'est le même endroit. En vrai, c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage. À chaque fois que je le fais, c'est généralement le même endroit. Je pense qu'il pourrait y avoir des trucs un peu plus durs. Ah, remarque, non, je crois qu'il y en a un, Vinewood. Bon, malheureusement, c'est pas tombé sur celui-là, c'est pas grave. De toute façon, je peux pas relancer tout de suite. Donc, on va retenter. On va tenter finalement. Yes. C'est vrai que la dernière fois, j'avais réussi. J'avais fait un peu. Je m'étais caché, je crois, sous l'autoroute. Et ouais, franchement, c'était passé assez simplement. Même s'il y avait quand même 2-3 joueurs qui passaient. Je crois qu'il y en avait 4 à un moment. Mais ils n'ont pas réussi à me trouver. On va voir dans cette session si finalement ils sont plus intelligents que nous. Est-ce qu'il y a beaucoup de gros joueurs? Il y a des gros joueurs. Oh, il y a tout, hein, comme d'hab, en rien. Mais il y a des gros joueurs quand même. Ok, des très gros joueurs. Enfin, plus gros que moi, je veux dire. Donc, ok, peut-être qu'il y en a qui sont pas trop cons, toi qui connaissent la map. Ok, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. C'est pas grave, c'est parti depuis une minute, on m'a pas trouvé. Bah attends, mais de toute façon, je crois pas qu'il y ait des gens qui sont. Ok, y a un mec qui est là. Je pense pas qu'il me cherche, on va peut-être sortir du véhicule. Alors, c'est vrai que la dernière fois, je m'étais mis sous le pont là-bas. Est-ce qu'on retente? Je sais pas. J'ai envie de tester un truc, c'est vrai que ici, je sais qu'il y a un bâtiment où on peut rentrer. Mais je sais pas si on peut quand il n'y a pas la mission. Il y a une mission en fait où on gagne de l'argent avec, tu sais, la boîte de nuit. Je voulais voir si là on pouvait. Attends, le mec est venu ou pas? Non, le mec se casse. Finalement, ça va. Peut-être que ce sera une petite survie sympathique, hein. Non, on peut pas rentrer, c'est dommage. Peut-être avec un glitch, mais je pense qu'il faut être plusieurs. Et malheureusement, je suis solo. Bon, au calme, on va se cacher. En vrai, si je laisse ma voiture là, il y a un monde où s'il y a un mec qui vient, t'as vu? Il se dit que. Bon, ça se trouve, il y a vraiment zéro mec qui vont venir. Hein. Comparé à la dernière fois, ça se trouve vraiment les mecs vont s'en foutre. Mais c'est vrai que moi-même qui suis joueur GTA, vraiment il est génial. Et bah quand il y a ça, je vais chercher parce qu'en vrai c'est un peu gaulerie. Vraiment quand je me fais chier, hein, vraiment sur le jeu quand j'ai rien à foutre et que je vois un mec qui lance cette mission-là, et bah je vais le chercher. Oh, il y a un mec qui est là, il s'en fout. Ah, il y a déjà un mec qui cherche, merde, 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 merde. Il y a mon véhicule, il est sur mon véhicule? Non, il est pas sur mon véhicule. Par contre, il est à l'endroit. Oh! Wesh, le cache-cache de ouf. Oh les gars, jamais ils me trouvent. Ah oui, mais non, parce que faut bouger beaucoup. Faut rester en mouvement. Par contre, attends, Attends, mais les gars, c'est quoi que ta cachette de fouille? T'en fais voir juste vite fait là. Je sais que je dois rester en mouvement, mais là je peux voir. Ok, non, il s'est rebarré. Pourtant, il m'a cherché un peu là. Je sais pas ce qu'il fout. La scramblette s'est barrée. Ok. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde dehors en fait. On est 28, mais il n'y a pas grand monde dehors. Ils sont où les gens là? Vous êtes où là, les gens là? Je sais pas ce qu'ils font pendant les conversations. Ouais, toujours 20, 28. Ok, bon, ça sera plutôt calme, hein, écoutez. En vrai, il y a une cachette ici qui est pas mal, mais le problème, c'est que c'est une cachette. Franchement, pour un cache-cache, ce serait OP. Pas te mentir qu'un cache-cache, je serais plutôt pas mal. Même là, hein, même là, en vrai, peu de chance qu'il me trouve. Mais bon, déjà, il faudrait que quelqu'un me cherche. Ah, mais oui, il y a un mec. Bon, pourquoi quand je fais star, je le vois pas? Ah non, je crois qu'il fait le tour. Ok, bon, il y a une seule personne pour l'instant. Je sais pas ce qu'il y a fou d'ailleurs cette seule personne depuis tout à l'heure. Alors c'est vrai que le cercle après va se refermer un peu plus. C'est vrai que comme d'hab, dès que bah finalement ça va commencer à être vers la fin, bah je crois au bout de 5 minutes, peut-être la moitié du temps, le cercle va se refermer. Logique, j'ai envie de te dire. En vrai, j'ai jamais exploré vraiment beaucoup ces endroits-là, même sur mode histoire. Bon, en tout cas, je m'en souviens plus. Du coup, c'est pas. En vrai, il y a tellement de cachettes, de trucs à la con. Ok, on peut passer par là. Il y a tellement de cachettes. Ouais, il y a tellement de cachettes, mais à la fois c'est un peu. C'est vrai que je vais jamais là. Oh bah là, vraiment, je suis caché de ouf. Je sais pas si Rockstar a fait exprès, genre, tu sais, de faire des trucs comme ça, je vois pas des fois l'intérêt. Mais ils ont fait un peu de tout, tu sais, genre, ils mettent des trucs à des endroits random, tu sais, comme ça. Toujours là le type, je vérifie. Ouais, mais il a AFK. Vas-y, le seul mec qui me cherche. Oh, il y a Rola Scramlet qui s'était mis invisible au radar. Ok, il s'était mis invisible au radar pour pas que. Bah non. Ah non, c'est pas lui, invisible radar, c'est un mec en vert. Bon, je pense pas que le mec en vert soit. Je trouve le mec en vert est là-dedans. Et je le vois pas. Il y a un monde, hein. Parce que s'il se met invisible radar alors qu'il y a aucun kill, il n'y a pas d'intérêt.
À moins qu'il fait ses cargaisons. Bon, écoutez, on avance par là. Je vois personne. Surtout que là, je suis vraiment en rouge. Ouais, on trouve un truc plus facile la prochaine fois. Ah ouais. Bah, remarque là, ouais, ok. C'est une ancienne tenue que j'ai fait à l'époque. En vrai, oui. Mais en fait, il y a deux personnes dans le cercle, mais ces deux personnes-là, elles cherchent pas. C'est pas drôle, les gars, mais venez me chercher. Qu'est-ce que vous me faites chier là? La Katoche. Il s'appelle La Katoche, c'est quoi ce prénom de merde? Ok, attends, j'arrive. On dirait un surnom, peut-être que tu dis La Katoche, c'est genre pour se de la gueule d'une daronne. Vraiment. Attends, je vais parler. Je vais aller le voir. Hein. Bon, après, je suis un peu con, mais en même temps, j'ai rien à faire d'autre. Je veux dire, je vais pas me cacher non plus. Je vais me cacher de qui? Mais non, vas-y, frère. Comment je monte là? Comment je vais à son truc? Ah, mais on peut être là. Non, mais j'avoue, en vrai, ils ont fait des bêtes de trucs en fait, un peu. Oui, on va voir si je le tue, je vais le réveiller un peu là. Allez, cherche-moi toi. Allez, allez. Allez, allez, la Katoche. En plus, c'est un français. Il n'y a pas d'en plus, hein, mais vraiment, s'il peut me chercher, ça m'arrange. Allez, viens, poteau. Oh, vraiment, il ne respawn plus. Oh, il se respawn loin. Et il bouge même pas. Vraiment, il en a rien à foutre. Lui, c'est l'AFK en personne, quoi. Pourtant, il y a du fight un peu. Regardez le monde qu'il y a là. Mais vraiment, moi, je passe incognito là-dedans. Mais depuis quand, frère? Depuis quand? Mais GTA, en fait, c'est devenu gentil, en fait. Les gens sont plus gentils sur GTA. Avant, je faisais des cargaisons, ils m'explosaient. Je faisais des trucs comme ça, ils m'explosaient. Maintenant, vraiment. Plutôt tranquille, j'ai envie de te dire. Là, c'est vraiment une balade. C'est vraiment une discussion qu'on a entre nous, j'ai envie de te dire. C'est vrai que c'est plutôt pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai qu'une survie, en fait, faudrait payer les gens pour qu'ils le fassent. Vraiment. C'est de ma mère, faudrait mettre. C'est vrai qu'en vrai, ils gagnent combien s'ils me tuent? Moi, ils gagnent même pas 10 000. En vrai, c'est bien, mais après, bon, c'est chaud déjà de trouver des gens. Tout là-dedans, c'est vraiment le pire endroit du jeu, genre pour chercher. En vrai, regarde, il y a tellement de trucs. Vraiment, genre. Après, je sais qu'il faut bouger quand même, mais même. Genre là, tu. Mais voilà. Ah ouais. Bon, Marc, je dis ça, je peux pas passer. Je suis sûr, il y a un monde, tu peux passer quand même. Attends, fais voir. Bah, on va aller cacher qu'il y a quand même. Hein. Passer par là. Attends. Généralement, s'il y a ça, il y a un trou de l'autre côté. Voilà. Non mais là-dedans, mais mec, t'es tellement incognito. Ah non, l'échelle là, ça sert à rien. Tu vois, t'es là, mais mec, t'es le truc le mieux caché au monde. C'est abusé. Genre Rockstar, je sais pas s'ils ont fait exprès ou ils ont fait des trucs au pif et du coup ça met des cachettes. Bon, c'est quoi, on va en lancer une autre. Normalement, j'ai mis le timer, si j'y ai pensé, en bas. Vous voyez les deux survies, je vais marquer celle-ci, mon avis, tranquille. Et je vais marquer, je vais faire une autre quand même dans le doute. Au pire, ça fera deux tranquilles, hein, vraiment. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve à la seconde, hein, parce que vraiment, c'était la survie la plus easy win de l'histoire. Ouais, bon, par contre, tu te casses pas la gueule. 35 000 de... Remarque, j'ai gagné un peu de thunes en 10 minutes. Hein. Enfin bref, on se retrouve. Bon, les gars, du coup, j'ai relancé une nouvelle session, j'ai attendu un peu de temps parce qu'on ne peut pas relancer. Écoutez, on va essayer, on va voir un petit peu si c'est au même endroit. Si on a même la même non-chance, finalement, que personne vienne nous faire chier. On va pas se mentir, moi, c'est ce que je veux. Ah, ça a l'air d'avoir changé de place déjà. Oh, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, donc, recession. Il y a un peu de gens dehors, après, ça va bouger. Il y a un oppresseur normal ici, pas MK2. Ça change, ouais, c'est rare. Ok, bah écoutez, on va voir ça. C'est vrai que c'est... Attends, je crois que j'ai jamais fait la truc là-bas. En tout cas, ça me dit rien. C'est pas mal, ça va changer un peu. C'est vrai que l'autre, vraiment, les cachettes sont multiples. Mais on n'a pas trop de chance tout à l'heure. Donc on va avoir un petit peu session normale. Hein. 30 joueurs en plus là, OP. Là, il n'y a qu'une raison. Niveau 8000. Bon, je pense que le mec est un peu glitché à l'époque. Mais pourquoi pas. Niveau 8000, peut-être que j'y crois. Je crois pas, mais 8000, faut le faire. Hein. Vous êtes en danger de mort. Mettez-vous à l'abri, laissez les gardes du corps. Ouais, c'est ça. Ouais. On est au lycée. Enfin, université, je sais pas ce que c'est. Ok, c'est pas mal. Ok, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le principe. Donc on va voir, parce que déjà il y a des gens qui se dirigent vers nous. J'ai vu un avion de chasse, je crois, un moment. Ouais, il y a un avion de chasse ici. C'est pas le nouveau. Ça peut être intéressant. Il y a un fantôme ou je sais pas trop ce que c'est là. Toujours une oppresseur MK2. Oh, il y a du monde qui arrive. Non. Si, l'oppresseur MK2 elle vient. Ok, je sors. Ok, ça c'est carré. Ça je voulais. Oh, en plus je suis visible sur la carte.
Ok, 3 joueurs d'un coup. Mais les gars, jamais. Bah alors là, comparé à tout à l'heure, jamais je survis. C'est bon pour vous? Vraiment. Jamais je survis, genre. Non, mais là, c'est mort. Là, c'est mort. Là, je sais pas combien de mecs. Il y en a un là. Il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu, sale. Ouais, mais déjà, là, gros, j'ai même pas le temps de me préparer. Genre, là, je me dis, vas-y, tranquille. En fait, si tu compares à tout à l'heure, je me suis dit, tranquille. Ah, ouais, là, la survie a duré 1 seconde 30. Franchement, il a fait son taf. Il a fait son taf. Je vais pas relancer une dernière fois parce qu'en plus, c'est long à attendre. Enfin, c'est long, c'est 10 minutes. Mais du coup, franchement, attendre 2 fois 10 minutes pour. Voilà, c'est un peu long. Bon, ouais, les gars, la deuxième a duré très vite. Je suis désolé. J'aurais dû me cacher. En même temps, ici, y a pas de cachette comparé à l'autre. En vrai, si, y en a un peu, mais en plus, il me voyait directement. Il y avait le point rouge. J'étais trop à la mort là, comparé à tout à l'heure. En gris, ici, je passe pas de plus. Bref, tant pis. Bon, bah, les gars, je vais à la prochaine. Petit pouce bleu, abonne-toi. Et ciao.